chers amis cancers, je vous propose ce tirage pour le mi-avril, mi-mai. Vous savez que je ne fais pas des tirages avant le mois. Donc au mieux, je le fais au tout début du mois. Sinon, à partir du 10, on va considérer que c'était un petit entre-deux. En tout cas, il vous reste une bonne partie du mois d'avril à regarder avec ces énergies, avec ces lectures intuitives qui vont peut-être vous donner des angles à regarder qui sont intéressants par rapport à, un petit peu à votre conjoncture actuelle. Alors j'espère que ça va vous aider. Si vous avez une question en particulier, je vous invite à vous concentrer pour focaliser dessus. Sinon, laissez-vous porter par le message qui s'invite à vous, par le hasard, toujours le hasard des tirages. C'est le 6 de coupe qui se présente pour vous, mes chers amis cancer. Le 6 de coupe, c'est la jeunesse, l'enfance, les souvenirs, la nostalgie, ce qui s'est construit dans le passé et qui est en lien avec le soutien, l'amour. Hein. Dans le traditionnel tarot de Marseille, c'est un petit garçon qui offre des fleurs à une petite fille. C'est le soutien de la fratrie, des autres. Ici, c'est une femme plus âgée, peu importe. En tout cas, c'est symbolique de « je te vois, je te reconnais, je t'offre la coupe de mes émotions, de mon amour ». Et cette 6 de coupe, c'est ce potentiel qui existe en nous. C'est ce qui s'est inscrit en nous comme quelque chose de doux, de bienveillant, de sécurisant, d'harmonieux, de soutenant, qui a permis que, ben, enfant, on a pu se développer de manière harmonieuse. Alors, vous êtes appelé ici à regarder cette part de vous, sur quoi vous vous appuyez, sur quel soutien, quelle sécurité intérieure vous vous appuyez, où est-ce que vous en êtes avec cet aspect de vous qui est essentiel, peut-être dans vos conjonctures actuelles. Hein. On va le dire comme ça. Alors, on va voir ce que ça peut impliquer. Valet d'épée, une carte valeureuse, courageuse. Eh bien, peut-être que vous avez besoin de vous appuyer sur une sécurité intérieure, un amour inconditionnel, une foi en vous inconditionnelle, quelque chose qui prend racine dans l'enfance. Vous êtes construit comme ça. Et si vous n'avez pas eu ce type d'environnement suffisamment bon, suffisamment sécurisant, eh bien, pour pouvoir aller vers ce que vous voulez aller, il vous faut peut-être vous ancrer davantage sur cet amour de vous, ce soutien inconditionnel que vous méritez, que vous êtes digne et que vous êtes celui, celle qui est en mesure de brandir le flambeau, de lever l'épée et de défendre quelque chose, une idée nouvelle, un projet, quelque chose qui est l'élan dans votre vie de nouveau et de valeureux. Hein. C'est vraiment « j'y vais », le cœur vaillant. Il y a un petit regard vers le passé. Je sais ce que je quitte, mais je sais vers où je vais. Je sais aussi ce qui me porte, ce qui motive ce que je décide de faire et vers où je décide d'aller. Comme l'enfant qui quitte le foyer, hein, fort de tout ce qu'il a appris, compris, et fort de ses envies. Eh bien, c'est un petit peu ça. Vous êtes un peu dans cette situation, on pourrait le dire comme ça. Et puis, cette carte-ci nous dit, 6 de Pentacle, vous visez l'équité, le partage, l'équilibre, la justice. Hein. C'est un petit peu le sauveur hein, qui va partir en quête d'une vérité plus juste, hein, d'une vision plus juste de la vie. Donc, c'est comme si vous partiez défendre quelque chose qui est profondément important pour vous en termes de valeur, ou de mettre en place un projet, d'exprimer aussi votre vérité, d'exprimer quelque chose de vous qui vous semble important. Vous êtes cancer ou ascendant cancer ou signe lunaire cancer. Le cancer, c'est la sécurité, c'est la famille, c'est l'espace qui vient soutenir. Hein. On a vraiment ces cartes qui émergent ici dans ce principe-là et d'égalité, hein, de fraternité. Donc, ça parle de vous profondément en ce moment. Donc, je vous invite à regarder dans votre vie où ça se dessine précisément, hein, si c'est dans l'aspect professionnel, familial, amical, amoureux ou social. Donc, essayez de déterminer les contours. Mais ce que vous avez à entendre, c'est que si vous avez cette intention, si vous êtes dans cette énergie, elle est absolument favorable pour vous en ce moment, à condition que vous vous appuyez sur cette sécurité, que vous vous sentiez pas dans le doute. Hein. Il y a
une sécurité intérieure, une confiance en vous qui vous permet de défendre ce vers quoi vous tendez. On va vous donner ici un petit message justement de ressources et de solutions qui s'adressent un petit peu plus à l'inconscient et à l'âme. Les sensations, je suis à l'écoute de mes ressentis et parfois les merveilles de ce monde. Donc, et soyez à l'écoute de vos ressentis. Si vous sentez l'élan hein, pour y aller, hein, défendre la veuve et l'orphelin, même si vous ne savez pas comment, parce que le valet, c'est la nouveauté, c'est l'émergence, il n'a pas besoin du tout d'être expert, c'est l'apprenti, par exemple. Il n'y a pas besoin, il y a l'élan du cœur. Hein, j'ai grandi avec ces valeurs, j'ai connu ça, je veux l'apporter dans le monde. Donc, je sais pourquoi je le fais. Hein, l'épée, c'est l'idée, c'est le mental, la pensée, je sais, je sais. Et donc, écoutez vos sensations, couplez cet élan et ce désir-là avec vos ressentis. Écoutez vos ressentis pour vous guider dans cette quête. Voilà ce que cela vous dit pour ce mois d'avril, mi-avril, mi-mai. Chers amis cancer, j'espère que ça vous aide et ça vous éclaire. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires. J'aurai vraiment grand plaisir à vous lire. Je vous remercie beaucoup d'être venu sur cette vidéo. Bye bye, à bientôt.